Dans les Berachot HaShachar, il y a la bracha de Baruch HaShem, Elokeinu Melech HaOlam, Hanoten LaYaareh Koach. Cette bracha-là, elle n'a pas été mentionnée dans le Talmud. Et c'est pour cela que Maran HaShulchan Aruch, il a dit qu'il fallait la faire sans Shemu Malchut. Ça veut dire sans dire le nom d'Hachem vraiment, dire Hachem. Et c'est comme ça que le Pli Hadash et le Gaon de Vilna, ils sont Nohagim. Malgré ça, malgré tout ce qu'on vient de dire, étant donné que dans les Geonim et dans les Lishonim, ils ont dit qu'il fallait la faire Beshemu Malchut, c'est très possible qu'ils ont comme ça dans leur Gemara. En plus de ça, le Minhag qui est répandu dans le monde, c'est de l'affaire Beshemu Malchut. Et selon la Kabbalah aussi, donc avec tout ça, on ne dira pas Sefer Malchut Le'Arel puisque c'est Negeda Minhag. Donc on continue à la faire comme on a l'habitude avec Shemu Malchut. Deuxième point, il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui dit si jamais quelqu'un il a inversé par exemple, au lieu de faire dans l'ordre Matel Asurim, ensuite Zochev Kifufim, s'il a inversé, c'est fini. Dès qu'il a dit Zochev Kifufim, il ne pourra plus dire Matel Asurim. Pourquoi? Parce que Bichlal Mata Imane, c'est qu'est-ce qu'on dit dans Matel Asurim? Qu'il délie ceux qui sont attachés, qu'il enlève ce que les personnes qui sont attachées quand on dort comme si on était attaché. Et dans Zochev Kifufim, c'est carrément qu'il nous redresse. S'il nous a redressé, va dire qu'il nous a déjà délié. Donc à cause de ça, il ne faut pas la faire. Bien qu'il y ait des Holrim, on dit ça faire Balachot L'Arel. Le moussal de ça, il faut faire attention quand on fait Berachot HaShachar, les faire dans un livre. Même si une personne, elle se sent capable de les faire par cœur, très souvent elle est mitbalbelet, elle s'embrouille, elle est mardima, la deuxième avant la première, et très souvent c'est gorem bracha levatala. Soit il refait deux fois la même brachot, soit il refait une bracha qu'il ne fallait plus la faire. Il faut faire attention de la faire d'un livre. Dernier point, quelqu'un qui se trouve dans Berachot HaShachar, étant donné qu'elle est longue, très souvent on peut entendre un radish ou une redusha. Si le temps, il va avancer vite pour la finir, il va rater, parce qu'elle est longue. Alors, s'il se trouve en plein milieu, il n'est pas encore arrivé à la fin, Baruch Atah Hashem, il pourra répondre comme lorsqu'il se trouve dans Kriyat Shema ou Berachot, c'est-à-dire les cinq premiers aminim du Kaddish, Yishemer Rabba jusqu'à Be'alma, et dans l'Ardusha, il répondra le passeur de Kadosh et le passeur de Baruch. Mais s'il est arrivé à Baruch Atah Hashem, il finira Baruch Atah Hashem, et il répond si c'est encore lieu de répondre. Yishemer